Good morning. Please state your name and spell your last name for the record. Jean-François Gérard. G E R A R D. Mr. Gerard, we understand that English is not your native language and that you prefer to testify with an interpreter. Is that correct? Oui, si cela ne vous dérange pas trop, monsieur. No worries. That is why the judge ordered an interpreter for you. Now, were you working as a plumber at a construction site on the evening of October 27, 2020? C'est exact. Ce jour-là, j'avais travaillé tard et alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai remarqué que la vitre du côté passager du véhicule avait été brisée. Alors, j'ai regardé par la fenêtre pour voir s'il y avait quelqu'un. I see. At about what time did you notice that your car had been vandalized? C'était sûrement après 8 heures du soir, parce qu'il faisait déjà nuit et j'avais signé à 7h45. J'en suis certain. Can you describe the area in which you parked your car? Were you worried about the safety of your car or your belongings? À vrai dire, non, parce que je me garais toujours très près de ce petit bar situé au 284 South Avenue, où il y a toujours des gens dehors. Very well. Sir, after you looked inside your car, did you notice anything was gone? If so, can you please tell the jury what was removed from your vehicle, if anything? Bien sûr. J'ai remarqué en premier lieu que ma tablette que je garde à l'intérieur d'un sac à dos en cuir sur le sol derrière mon siège avait été volée. Aussi, mes patins à glace ont été pris. What did you do afterwards, Mr. Gerard? Strike that. After you noticed that your stuff had been taken, did you make any attempt to look for the perpetrators, or did you immediately contact the police and request their assistance at that point? Eh bien, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été d'aller au bar pour demander si quelqu'un avait vu quelque chose. Mais les videurs m'ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Ils ont mentionné que plusieurs voitures avaient été vandalisées dans les environs récemment. Can you tell us what you did after you inquired about the theft? J'ai immédiatement décidé d'appeler la police pour signaler que quelqu'un s'était introduit dans ma voiture et avait volé certains de mes biens. L'opérateur du 911 m'a dit de rester sur place pour attendre la voiture de police. You stated earlier that while you were waiting for the cops, you saw someone that looked suspicious to you hanging around the place and looking at your ride. Is that what happened? Exactement. Dès que j'ai raccroché le téléphone, après avoir parlé à l'opérateur, j'ai remarqué qu'un type habillé en haillons rôdait autour de ma voiture et regardait par la fenêtre. And you said that a deputy was arriving at this time. Did he immediately approach you? Oui, c'est exact. Il est sorti de la voiture et a demandé qui avait appelé. Did you identify yourself as the caller? Bien sûr, je me suis approché de l'officier et j'ai désigné l'homme qui, à ce moment-là, était entré dans ma voiture et fouillé dans la boîte à gants. What did the officer do? Je pense qu'il a contacté son partenaire par radio, puis il m'a dit de rester où j'étais, immédiatement approché de la voiture avec son arme dégainée en criant « Police, ne bougez pas, mains en l'air !» What happened next?
What did the suspect do after the police ordered him to raise his hands? Did he comply with the orders given to him? Pas du tout. Dès qu'il a vu l'adjoint, le voleur est sorti de la voiture et s'est enfui en courant dans la rue. Mais à ce moment-là, d'autres officiers sont arrivés et l'ont attrapé sur le champ. When he was apprehended, did the individual calm down then or did he resist? Non, conseiller. En fait, il a donné un très fort coup de poing à l'officier qui essayait de l'arrêter. Finalement, ils ont pu le contrôler et l'ont emmené en prison. Which part of the arresting officer's face was struck? Si je ne me trompe pas, c'était juste sur le menton. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Mr. Gerard, the man that you saw that night, the one who assaulted the officer, is he in this courtroom now? If you see him, please point him out and describe him. Oui, c'est cet homme maigre aux cheveux grisonnants. Let the record reflect that the witness has identified the defendant, Louis Gross-Mollard. Mr. Gerard, are you sure it is the same man? Je suis absolument sûr. Je n'oublierai jamais son visage, même s'il se rase. After they had him cuffed, what happened next? Was he behaving by then or was he still belligerent? Oh non, pas question. Il tirait, essayait de se détacher et criait des obscénités. Ils ont dû le traîner jusqu'à la voiture de police qui était garée à une quinzaine de mètres de l'endroit où il a été attrapé. What happened when they all got to the patrol car? Avant de le faire monter dans le véhicule, les officiers l'ont fouillé et ont trouvé une seringue, un briquet et un couteau pliant dans sa veste. Mr. Gerard, you seem to have a clear recollection of the events. Were you able to see everything perfectly from where you stood? Eh bien, la vérité est que rien de tel ne m'était jamais arrivé. Je vais être honnête avec vous. Je me suis rapproché un peu plus pour pouvoir voir clairement ce qui se passait. C'est pour cela que je me souviens très bien. En plus, je voulais savoir si ce connard avait volé mes affaires. Once they got him into the patrol car, did he settle down and cooperate? Vous savez, il ne l'a pas fait, mais à la fin, ils l'ont mis dans la voiture de patrouille et l'ont emmené en prison sans plus de problème. I have no further questions, Your Honor. Thank you. Please state your name and spell your last name for the record. Jean-François Gérard. G-E-R-A-R-D. Mr. Gerard, we understand that English is not your native language and that you prefer to testify with an interpreter. Is that correct? Oui. Si cela ne vous dérange pas trop, monsieur. No worries. That is why the judge ordered an interpreter for you. Now, were you working as a plumber at a construction site on the evening of October 27, 2020? C'est exact. Ce jour-là, j'avais travaillé tard et alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai remarqué que la vitre du côté passager du véhicule avait été brisée. Alors, j'ai regardé par la fenêtre pour voir s'il y avait quelqu'un.
I see. At about what time did you notice that your car had been vandalized? C'était sûrement après 8 heures du soir, parce qu'il faisait déjà nuit et j'avais signé à 7h45. J'en suis certain. Can you describe the area in which you parked your car? Were you worried about the safety of your car or your belongings? À vrai dire, non, parce que je me garais toujours très près de ce petit bar situé au 284 South Avenue, où il y a toujours des gens dehors. Very well. Sir, after you looked inside your car, did you notice anything was gone? If so, can you please tell the jury what was removed from your vehicle, if anything? Bien sûr. J'ai remarqué en premier lieu que ma tablette que je garde à l'intérieur d'un sac à dos en cuir sur le sol derrière mon siège avait été volée. Aussi, mes patins à glace ont été pris. What did you do afterwards, Mr. Gerard? Strike that. After you noticed that your stuff had been taken, did you make any attempt to look for the perpetrators, or did you immediately contact the police and request their assistance at that point? Eh bien, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été d'aller au bar pour demander si quelqu'un avait vu quelque chose. Mais les videurs m'ont dit qu'ils n'avaient rien vu. Ils ont mentionné que plusieurs voitures avaient été vandalisées dans les environs récemment. Can you tell us what you did after you inquired about the theft? J'ai immédiatement décidé d'appeler la police pour signaler que quelqu'un s'était introduit dans ma voiture et avait volé certains de mes biens. L'opérateur du 911 m'a dit de rester sur place pour attendre la voiture de police. You stated earlier that while you were waiting for the cops, you saw someone that looked suspicious to you hanging around the place and looking at your ride. Is that what happened? Exactement. Dès que j'ai raccroché le téléphone, après avoir parlé à l'opérateur, j'ai remarqué qu'un type habillé en haillons rôdait autour de ma voiture et regardait par la fenêtre. And you said that a deputy was arriving at this time. Did he immediately approach you? Oui, c'est exact. Il est sorti de la voiture et a demandé qui avait appelé. Did you identify yourself as the caller? Bien sûr. Je me suis approché de l'officier et j'ai désigné l'homme qui, à ce moment-là, était entré dans ma voiture et fouillé dans la boîte à gants. What did the officer do? Je pense qu'il a contacté son partenaire par radio, puis il m'a dit de rester où j'étais, immédiatement approché de la voiture avec son arme dégainée en criant: police, ne bougez pas. Main en l'air. What happened next? What did the suspect do after the police ordered him to raise his hands? Did he comply with the orders given to him? Pas du tout. Dès qu'il a vu l'adjoint, le voleur est sorti de la voiture et s'est enfui en courant dans la rue. Mais à ce moment-là, d'autres officiers sont arrivés et l'ont attrapé sur le champ. When he was apprehended, did the individual calm down then, or did he resist? Non, conseiller. En fait, il a donné un très fort coup de poing à l'officier qui essayait de l'arrêter. Finalement, ils ont pu le contrôler et l'ont emmené en prison. Which part of the arresting officer's face was struck? Si je ne me trompe pas, c'était juste sur le menton. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Mr. Gerard, the man that you saw that night, the one who assaulted the officer, is he in this courtroom now? If you see him, please point him out and describe him.
Oui, c'est cet homme maigre aux cheveux grisonnants. Let the record reflect that the witness has identified the defendant, Louis Gross-Mollard. Mr. Gerard, are you sure it is the same man? Je suis absolument sûr. Je n'oublierai jamais son visage, même s'il se rase. After they had him cuffed, what happened next? Was he behaving by then or was he still belligerent? Oh non, pas question. Il tirait, essayait de se détacher et criait des obscénités. Ils ont dû le traîner jusqu'à la voiture de police qui était garée à une quinzaine de mètres de l'endroit où il a été attrapé. What happened when they all got to the patrol car? Avant de le faire monter dans le véhicule, les officiers l'ont fouillé et ont trouvé une seringue, un briquet et un couteau pliant dans sa veste. Mr. Gerard, you seem to have a clear recollection of the events. Were you able to see everything perfectly from where you stood? Eh bien, la vérité est que rien de tel ne m'était jamais arrivé. Je vais être honnête avec vous. Je me suis rapproché un peu plus pour pouvoir voir clairement ce qui se passait. C'est pour cela que je me souviens très bien. En plus, je voulais savoir si ce connard avait volé mes affaires. Once they got him into the patrol car, did he settle down and cooperate? Vous savez, il ne l'a pas fait, mais à la fin, ils l'ont mis dans la voiture de patrouille et l'ont emmené en prison sans plus de problème. I have no further questions, Your Honor. Thank you.